Champion champêtre. Ok. Il est possible de monter sur un monstre via une attaque sautée, si vous parvenez à... pas eu le temps de lire. Si vous parvenez à vous accrocher à lui et à lui infliger des dégâts, vous pourrez peut-être le renverser. Peut-être. La petite bouée. Quelle bouée? J'ai pas compris. Parler de quoi? C'est quoi la bouée? Ah, il y a le système de fusée de détresse. Pour qu'on puisse nous rejoindre, hein. Ça c'est bien. Je vois, vous pensez que ce que vous avez vu, ce que vous avez trouvé nous mènera au Zora Magdaros. J'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ, mais pas avec ce pouquet-pouquet dans les parages. Le territoire des pouquet-pouquet, c'est en plein cœur de la forêt. L'intendance prévoit d'installer un autre camp dans la zone, ça devrait faciliter les opérations. Bien. Ok. Essayons de leur donner un coup de main, allez, on y va. Ok. Il une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Pouquet Pouquet. De quoi le... Le palico ? Je demande où se trouve l'intendance. Alors... Je vais aller voir l'intendante juste après, mais d'abord un petit tour à la forge. Ça va, t'es bien en slip? T'as l'air d'aller, hein. Salut! Tu peux forger mon armure. Ah, Questodon? Aperçu non disponible. Ah mais ça te protège vachement plus. Et l'armure de Jagras. Oh c'est pas très joli ça. D'accord. Quand t'es... check en bas à droite quand t'es pas dans le menu. Quand je regardais ça après. Commandez un slip, tapez sur ce bout de métal. Ça ne veut rien dire. Ok, bon bah il va nous manquer la tête. Et la tête il me faut des os anciens, j'en ai pas pour l'instant. Donc on va déjà voir si on peut... améliorer je sais pas améliorer ça tout à l'heure. Ah si. On va améliorer une fois ça. Et on va faire pareil avec les gants. Histoire que ce soit un peu équilibré. Et la tête, le wet. Mais bien sûr le chat. Donc, le petit palico, maintenant, on doit pouvoir lui faire des trucs. On doit pouvoir lui faire des trucs. Ah, il a un petit fusil. Oh, c'est trop mignon. Marteau canon. Ah oui, ça fait du dégât, ça, c'est bien. Par rapport à ça, ça serait bien de pouvoir le faire. Il me faut une griffe de grand Jagras, donc à la prochaine quête, il faut que je chope les Jagras. Enfin, le grand Jagras. Attends, physique 4. 4. Je vais lui faire une petite armure.
Il est trop mignon. Ah, vous avez vu comme ça coupe sa visibilité, pauvre petit chat, il est trop fou. Trop chou. Et il faut qu'on chope ça. Ce serait bien qu'on puisse lui choper ça. Et du coup... je sais pas si je lui fais ça en attendant de pouvoir lui faire le marteau canon. Mais il fera quand même un peu plus de dégâts dans tous les cas. C'est Michel. C'est Michel. Non, je vais garder mes compos. Je vais garder mes compos. Bon, bah voilà. Non, j'ai une espèce de queue qui pendouille. On va aller voir l'intendante. Bon, du coup... Est-ce qu'on n'aurait pas des gens qui sont chauds pour du multi? Faudrait que j'aille voir si... Non, Amaras, il est encore au taf. Peut-être Pseudo est là. Je vais lui envoyer un petit message. L'intendante, elle est pas... Ah si, elle est là. Je savais bien que t'étais dans le coin, Michel. Oh, c'est vraiment trop gentil. C'est vrai ce qu'on raconte, tu vas nous aider à réinstaller un camp. Voilà une expérience nouvelle. J'espère que t'es aussi doué qu'on le dit. Si c'est le cas, on aura de quoi t'occuper. Après tout, la commission étudie des tas de choses et pas uniquement le dragon ancien avec lequel tu es venu jusqu'ici. Entretenir et améliorer les bases est déjà un travail à plein temps. Impossible d'étudier quoi que ce soit sans un QG digne de ce nom. L'intendance est là pour répartir les tâches et veiller à ce que le travail soit fait. Bien, revenons à nos moufas. D'accord. Tu vas devoir établir un camp. J'imagine que les moufas, c'est les moutons du jeu. Après, ils n'ont pas fait grand-chose pour la faire marcher en Europe avant cet épisode-là. Okay. Allez, vas-y, me raconte pas ta vie, donne-moi tes quêtes. Ok. Allez, on prend tout. Moi, j'ai compris comment ça marche. Tu prends tout. Voilà. Ah, c'est bien. En bas bon, à droite, bonus de connexion. Ne va pas se monter toute seule. Rejoins-moi à la porte. Ah d'accord. Il y a des bonus de connexion. OK. J'imagine que ça se met à jour toutes les heures ou un truc du genre, je sais pas. Je vais envoyer un message à Pseudo, savoir s'il veut faire du multi, vite fait. Pour entreprendre une expédition, il te suffit de sortir par une porte. Mais tu peux aussi utiliser la carte du monde. À toi de voir. Ah, il est pas cool. Sûrement toutes les 24 heures. D'accord. Je vais sortir par la porte. Alors... Là, on est à Astera. Si tu veux partir en expédition, ouvre la carte du monde et choisis une destination. En fait, les expéditions... Pour cette expédition, direction la forêt ancienne. Les expéditions, en plus gros, on explorera c'est... le nouveau putain, monde et plus passer. On pourra étendre nos expéditions. Oui. Une bonne raison de se lancer à l'aventure, non? Oui, oui, d'accord. Les expéditions, en fait, c'est ce qui te permet de traîner sur la map sans avoir un temps imparti, si j'ai bien compris. Ah, ça, c'est stylé, ça.
Du coup, on va aller faire une petite expé, on va voir ce qu'on peut tuer. Peut-être ce qui serait bien, c'est qu'on chope un grand Jagras pour avoir une griffe. Donc j'imagine qu'il faut focus ses pattes pour avoir une griffe. Ah oui, c'est la zone de farming en fait, les expéditions. Ok. Lorsque vous partez sur le terrain, vous pouvez compter sur votre palico pour vous aider de nombreuses façons, comme attaquer des monstres ou utiliser des gadgets. D'accord. Ah, donc, ouais, en gros, si tu trouves des fourmis, tu te jettes dessus, quoi. Si vous voyagez vers une zone depuis la carte sans avoir préalablement accepté une quête, vous partirez en expédition. D'accord. À la différence des quêtes, vous pouvez librement explorer les mondes durant les expéditions. Il n'y a aucune limite de temps. Il est impossible d'échouer, peu importe le nombre de fois que vous vous évanouissez. Il n'y a ni condition de réussite, ni récompense de complétion, mais vous conservez les matériaux obtenus et les points gagnés. Les monstres quittent la zone au bout d'un certain temps. D'accord. Vous pouvez mettre un terme à votre expédition à tout moment. Pour rentrer au QG, ouais, il faut aller dans le menu. Ok. Parler à votre assistante au camp, sélectionner retourner au QG depuis le menu, sélectionner Astera sur la carte. Ok, si vous acceptez une nouvelle quête via votre assistante, les préparatifs de quête seront moins longs si la quête en question se déroule dans la région actuelle. Ok. Cherchons l'endroit pour ça, c'est bien, ça veut dire que pour relancer une quête, je suis pas obligée d'aller à Astera en fait. Si j'arrive à l'emplacement du camp en premier, ou si tu te perds, ouvre la carte ou utilise les navicioles pour me retrouver. Donc ça, c'est le coffre des palicots. C'est trop mignon. Si tu quittes le QG sans avoir accepté de quête, tu partiras en expédition. Il n'y a ni limite de temps, ni limite d'évanouissement. Tu peux explorer les lieux aussi longtemps que tu le veux. Il me répète exactement ce que je viens de lire. Oui, d'accord, oui, oui, pas forcément. D'accord, ouais, ouais, c'est bon. Alors, je rejoigne le site du nouveau camp. Ah mais j'ai quasiment plus de potions. J'ai quasiment plus de potions. Allez. Bravo ! Ça a l'air délicieux. Ah. Miaître ! J'ai trouvé un super objet. Tant mieux. Tant mieux pour Tisha. Allez. Ouais, mais ça te permet de farmer les points en fait. Ça, tu restes ici pendant 2 jours, c'est bon quoi. C'est bon. Niveau plus. Très bien. Qui est intéressant. À notre retour, il faudra faire part de cette découverte aux membres de l'intendance. Donc lui, c'est celui qui t'apprend à pêcher, je crois. Enfin, qui te parle de la pêche, en tout cas. Salut. Ça marche, chasseuse, il n'y a vraiment rien de mieux qu'une bonne partie de pêche pour passer la journée. Tu es le petit vénard qui s'est vu confier par la commission l'étude des poissons et autres créatures aquatiques du Nouveau Monde. La pêche, c'est ma grande passion. Je vis que pour ça. Je pêche même dans mon sommeil. Bah tiens. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? J'avais déjà pêché tous les poissons du Vieux Monde. Alors, quand on m'a proposé un boulot ici, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. Mais comme il n'y a que le travail dans la vie, je cherche quelqu'un avec qui taquiner le goujon. Qu'est-ce que t'en dis, chasseuse ? Ça te tente ? Fais-moi signe, ça t'intéresse. J'aimerais voir de quoi tu es capable. Ok. Oh.
sur sa petite bouée. Ah, je suis un chat, je ne me mouillerai pas. C'est trop kiki. Bon, alors. Oups. Qu'est-ce que... C'est un T-Rex ? Ah, mais c'est le truc qu'on a vu au début du jeu, là. Qui se battait avec l'autre monstre. Putain, il est énorme. Bon, en même temps, c'est Monster Hunter. Hein. Il est énorme. Je suis caché. Il a dû laisser des traces partout, du coup. Ça, c'est bien. Il est possible d'assigner une destination au Navisiol sur la carte. Ouais, ça, je sais. Tiens, d'ailleurs. La carte indique ta position, ton objectif, et te permet aussi de suivre les monstres. On doit aller là-bas, mais j'aimerais bien m'occuper du Grand Jagras. Grand Jagras. Comment on place une balise, déjà? Comme ça. Allez. On va lui casser la gueule. Oh! Toi. Ah non, tu commences pas déjà à te barrer. Putain. Enchaîne. Ah mais putain, j'ai les petits qui s'y mettent. Bouffe tes gosses là, s'il te plaît. Bouffe toi de tes gosses. Mais je me fais manger. Ok, faut que je bouge là. Bouge. Il s'est barré. Je vais juste en profiter pour ramasser des traces. J'ai vu qu'il y avait du minerai juste là. Alors, il est parti où ? Celui qu'on cherche. Il est où ton empreinte? Si tu me dis qu'il y a une empreinte, il n'y a pas d'empreinte. Non mais attends, toi, tu m'emmènes par où là? Il
il te suffit de sélectionner un camp sur la carte pour t'y rendre instantanément. Il s'est barré là. Aiguise ton arme. Oui, merci. Je veux provoquer personne. Je veux juste récolter de l'XP. Saute. Allez, on va choper le grand Jagras. Il est là. Mais allez. Je le lâcherai pas. Juste, on va refoutre un petit coup d'élisoire. Et mange ton steak. Ah merde, je pensais que ça me remplissait ma barre de vie. Lui, on va l'esquiver avec beaucoup de précautions. Allez, Mimiou, on y va. Mon petit Miouchel. Ah! Ça fait plaisir. D'accord, la meuf. Il vient de me faire augmenter la star. C'est vous, vous m'intéressez pas. Quoi, vous faites les shows parce que vous êtes à plusieurs, là ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Par ici ! Je comprends pas quand il t'attaque ou quand il décide de t'attaquer ou pas, cette petite merde.
Allez, crève. En fait, j'en profite là d'être en expédition pour essayer de me faire un peu au combat. Il y avait pas de griffes, je sais pas. Je crois qu'il t'attaque plus vraiment quand t'as tué le gros. Ah, tu crois que c'est ça? Ouais, je sais pas. Je peux plus le looter. J'ai pas fait attention si on avait chopé une griffe ou pas. En fait. Bon, on va sortir de là et on va retourner à notre objectif qui est ici. Tac. Alors, vas-y. Les jagras sont relativement peureux, les observent beaucoup et n'attaquent que s'ils sont en meute ou qu'ils te pensent en position de faiblesse. D'accord. Ah. Ça me remplit les quêtes de l'intendance, donc c'est pas plus mal. Pas le fou, toi. Ah, si, tu fais le fou. Tu fais le fou. Je viens de démonter ton père, ta mère et ta grand-mère. C'est pour ça que tu m'appelles. Hein. Mais déjà ? Non, mais. Vous êtes cons, hein. Avec un peu de chance, je vais trouver. Ce serait bien que je trouve un os ancien. Deux. J'en trouve pas. Dommage. Par ici. Oui, j'arrive. J'attends juste que les navicioles me disent par où. Voilà. Par où je dois aller. Hop. Ah, elle sniffe quoi. Coquine. Sniff. Ah, ça sent, ça sent les pieds de Jagras. Ça. Ah, ça sent bon les pieds de Jagras. Pourquoi t'es encore accroupi? Ah, je vais t'accroupir. Wop. Du minerai. Putain, ce jeu, moi qui aime looter, c'est l'enfer. Je passe ma vie à looter des trucs. Allez, cours un peu. Je regarde ma map s'il n'y a pas un gros près de nous là parce que. Ce serait dommage de tomber sur le T-Rex maintenant. Ouah ! Je vous ai pas vu ! Excusez-moi ! Eh, vous allez m'attaquer là ! Et toi, tu vas mettre un coup de tête ? Ah, je le savais. Je le savais tellement fort. Arrête de faire des roulades. Tac. Normalement, il leur faut pas énormément de coups. Par contre, je vais juste en lock 1 pour arrêter de gigoter. Voilà. Arrête de m'enchaîner, laisse-moi me relever. Très bien. Ah ouais, je savais que t'allais faire ça, mais... Tellement. Mais je t'ai pas demandé de faire ça, je t'ai demandé de le taper. Arrête de ramasser les trucs par terre, bordel. Bon, je me fais enchaîner, ça sert à rien. Mais d'où? Je suis derrière lui! Ah, défonce-le! Ah bon, c'est... Stop, je me casse. Range cette arme.
bois une potion là. Stupide. Ces mecs des cités. Putain, mais c'est grave ça. Bon, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Par ici. Ta gueule. C'était stylé. Allez, range-moi ça. C'est bon. J'aime bien que le jeu te mette des navicioles rouges quand t'as pris l'aggro. C'est pas mal, je trouve. Comme système. Scalp. Alors, c'est bon, on les a tous tués, on les a tous lootés. Ok. Normalement, ce soir, on refait un live avec, avec Amaras sur du multi à partir de 21h, si tout se passe bien. Et Arthéon, s'il est là. Je sais pas s'il sera là. Alors ça, elle m'énerve à chaque fois. Rester accroupie quand elle est passée sous un truc. Elle trace un peu. Qu'est-ce que... Comment tu veux que j'aille là? Comment tu veux que de là où je suis, j'aille là-bas? Débile ce jeu. Je ne peux pas. Si. Genre, il y a des trucs dans le... Genre, je peux m'agripper à une liane et passer de l'autre côté, ou... Non. Ici, je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sprint, il y a une liane pour te balancer. Oh bah putain. Ok, je sprint. Oh! Ah mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok. Point de grimpante. Où ça? Je suis passée à côté d'une empreinte? Non. D'accord, donc en fait quand il y a des petits morceaux de tronc qui dépassent, c'est que tu peux sprinter là et te balancer. Par ici! Oui, je suis là. Si tu veux. L'endroit où il cherche à installer le camp. Putain. Ok. Ça a disparu avant. Que je vois. Tu veux que je monte là-haut? Ouais, c'est ça. Ça se fait auto, d'accord. Ah putain, mais oui, putain. Lui, je l'ai fait à la double dague. Ça m'a pris une heure, quoi. C'était insupportable. On ne pourra pas installer le camp si on ne se débarrasse pas de lui. Eh oui. Très bizarre. Alors, il est où le chapardeur? Il est là. Je vais te suivre à la troisse. À la troisse. Pour retourner au QG après une expédition, ouvre la carte du monde et sélectionne Astera. Effectivement, quand tu sais que tu peux y aller en courant... Ah, un cochon! Je l'ai
vite casser la gueule au cochon. Meurs les cochons. Hi hi hi. Ah, d'accord. C'est une découverte. Ok. Je parie qu'il a le goût de poulet. Attends, mais grave. Si c'est ça, je le grignote. Ça, je peux te ramasser. Ouais. Ah, il y a une empreinte là. Ok, saut. Il est là. Mais attends, mais il y a 40 000 empreintes. C'est quoi ça? C'est un champ d'empreintes. Je suis obligée de le prendre. Excusez-moi. C'est gratuit. Ok. Il est là. Pas bien visé du tout ce soir. Ok. Allez. Je t'attendais, mon petit pote. Il s'est enfui. Bon. Ça se passe déjà mieux. Ça se passe déjà beaucoup mieux que la première fois que je l'ai fait. Dans l'infini. Ouais, oui, mais par contre, il va y avoir masse monde. Lui. Il est où? Ah, il est là. Ok. Aïe! Mais ça va, oui?
c'est toi ou c'est moi? Ok, je crois que j'ai perdu. J'ai perdu mon lock là. Rien pour attendre. Je suis au max de viande, pourquoi je m'emmerde à faire ça? Allez, allez. Bip, 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 bip. Putain, mais il y en a partout. Oh là. C'est un truc de fou, ça. Hop. Ça, c'est inconnu, je ramasse. Oui, mais par contre, s'il va se foutre dans la tanière des gens grasses, là. Déjà grasses, pardon. Ça va pas être top. Il y a une icône comme quoi il chouigne le mob. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, il s'est vraiment mis chez les Jagras, quoi. Là, t'es bien là, tu bouffes. On te dérange pas. Manger ton petit œuf. Ah, c'est ça. Tout est rapproché de ce que je voulais. C'est parfait. Voilà. Elle régène sa vie. C'est exactement ce qu'il me fallait. Oh oh, je te vois. Il y a le gros Jean Grasse là. Ah bah battez-vous ensemble. Non, je vais pas. Merde, les gens gras sont là, gros nous ou lui? Non, lui. Hop 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 hop. C'est pas moi que vous cherchez. Hein. Ah si, c'est moi que tu cherches. Non non, mais pas deux fois par contre. Dégage. Je me casse. En voilà une bonne cachette. Ouais. Espérons que ça marche. Ouais ouais, ça va marcher. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Vite, il ne faut pas te faire repérer. Ouais, mais je bouge pas, hein. Il m'a repéré? Non, il a repéré Miouchel en fait. Mais Miouchel il se cache pas. Oh bon, ok, c'est bon, je me casse. Vous êtes chiants, hein.
ce qu'il lâche l'aggro jamais. C'est bon, il a lâché l'aggro. Alors. Jagras, il est en train de chercher comme un con. Moi, je voudrais savoir où est notre gros. Ah, il est parti tout là-bas. Putain, il est en train de bouffer cet enculé. Je suis où, moi? Putain, je suis loin de ouf. Allez. Trace. Ah, quand je vais le pécho, ça va partir en couille là. Ça me vénère. Ah, j'ai plus d'énergie. Pardon. Tout va bien. Allez. C'est où Michel? Ah, je vais te niquer. Je vais te niquer! À se barrer, on va te briser le poulet. Oui, c'est ça. Allez, plus vite la collecte. Et maintenant tu traces. Faut me choper ce gros lâche. Elle est bien cachée. Il s'en bat les couilles, je lui tape dans son œuf, il s'en fout. Lâche rien. J'en ai marre. Tu me gonfles. Crève. Mais retourne-toi, andouille. Allez, viens. Je suis pas partie pour le provoquer, mais il vient ici, lui. Hein. Allez! Okay.
c'est pas possible qu'il passe sa vie à s'enfuir. Il passe sa vie à s'enfuir. Vraiment, oui ? Tu veux le ramasser le truc ou jamais ? Ah, allez. Et on va y aller vite. Vite, vite, vite. Non, 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 tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je ne suis absolument pas là. Ouh. Ambiance. Toi, par contre. Allez. Michel. Chope-le. Mais c'est pas possible. Mais non. Ok. Ben oui, mais en même temps, si tu me fous ça à côté de là où je trouve le monstre. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a rien. Si l'autre il fait que de traîner dans ses pattes, je vais rien pouvoir faire. Il va passer son temps à remonter sa vie. Merde. Allez, go. Parce que là, s'il s'amuse à traîner tous les deux ensemble... Mais c'est ça. Mais il est en train de bouffer. Putain. Il est en train de bouffer à côté du T-Rex. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas s'il vaut pas mieux que je rentre. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je rentre, que j'améliore mon stuff et que je revienne avec des quêtes peut-être. Vous me gonflez tout le temps partout. Allez, venez, je vous attends. Non, non, mais prends ton arme. C'est quoi ce vieux saut qu'il a fait, le mob? Allez, il y en a d'autres qui veulent encore, là? C'est bon. Vous en avez eu pour votre argent, là. Hein? C'est bon? Je dois chercher de la bouse. C'est une capsule que tu envoies sur les mobs pour les faire changer de zone. D'accord. Va chercher de la bouse. Le KFC est bientôt mort, mais oui, mais il arrête pas de bouffer. Le problème, c'est ça, c'est qu'il arrête pas de bouffer et il reste à côté de l'autre. Tu vois? Il reste tout le temps dans les parages de l'autre. Et il est en train de bouffer. Il sera gêne de la vie. Et sur le chemin, j'aurai tout le temps l'autre con. Je vais essayer de le finir. Par contre, si je remeurs une fois à cause du... À cause du gros, j'abandonne. On dégage. Parce que là, je suis à côté du gros. J'espère que le gros, il va pas revenir nous voir. Pendant qu'on termine le poulet. Allez. Allez. Je te défonce. Mais comment t'as fait pour me toucher? Tu m'expliques comment t'as fait pour me toucher?
J'arrive plus. Le problème, c'est que j'arrive plus. Oh, putain, j'arrive plus à le cibler. Voilà. Attends, viens. Regarde-moi. Regarde-moi. Voilà. Allez. Bon travail avec ce Kuniyaku. Sélectionne Astera à partir de la carte du monde pour qu'on puisse rentrer. Oh. Alors là, mon vieux. Allez. C'est bon? Je peux plus? Putain. Ah. C'était sympa. Il y avait de la difficulté. C'est plutôt bien. Ah mais ça nique mon arme quand je fais de la collecte ou c'est juste qu'il me prévient qu'il faut l'aiguiser? Non, il me prévient qu'il faut l'aiguiser. Ah bah en même temps, faut bien commencer quelque part. C'est normal qu'au début, je galère sur ces mobs-là. Ça me paraît logique. Je vais essayer de me bouger de là. Je vais aller au camp. Par contre, écoute-toi. Hop. J'essaie de choper des peintures là. Savoir à quoi j'ai à faire quand je passe dessus. Non mais là l'Anjanat je le cherche pas. Hein. Clairement. Pourquoi il est marqué qu'il reprend des points de vie l'autre alors que je l'ai tué? Ok, alors. Tourner au QG. Ouh. Continue à te frotter la jambe là. Google. Alors, on envoie tout au coffre. Ça c'est bien, tout ça c'est bien. Et lui, il a récupéré des herbes. Ah, j'ai de la bouse. La meuf contente.